YouTuber. What? Enjoy! Oh là! Bon les gars, SL63 à Marbella. Je pense qu'on a remarqué qu'on n'était pas à Bruxelles. Ici on a une voiture à plus de 220 000 euros. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quand même le tour avant de tirer dedans. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'il fait beau. Le premier qui fait une blague sur mon bronzage, il va être permaban. Toute noire, étrier jaune, beau siège. Et ce que j'adore, c'est le Burmeister, parce qu'on est des gens qui adorons en fait nous faire remarquer. Ils sont hollandais, voilà. Rap français. Détail qui fâche aussi, on roule jamais sans le béquet. Quand on démarre, il est relevé. Ça fait un peu tuning, mais on est dans le thème. Attends, 200 000 euros et tu penses que je vais pas un peu la jouer tuning? Ça va aller ou quoi? Oh. La plaque assez pour à-compte, anxieux. Magnifique diffuseur. Entre arrière et avant en 21 pouces. Cette face avant, magnifique. Waouh, 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 waouh. Après bon, la vraie question c'est qui achète ça pour 220 000 euros? Alors l'intérieur, ça rend vraiment bien en beige comme ça. Juste un petit problème, c'est les tapis. Je vais pas montrer de près parce que ça va vous faire un petit peu mal au cœur. La voiture a 5000 km, hein. C'est du Mercedes. Commande pour les modes de conduite. Voilà, et l'écran s'incline. On retrouve le Burmeister, siège ventilé et ce magnifique insigne AMG dans la tête. Bon, ici on voit qu'il y a 4 places, mais c'est pas 4 vraies places. Hein. Ceux qui pensent pouvoir rentrer avec des nanas à l'arrière, ça risque d'être compliqué, à moins qu'elles soient skinny. Ou si c'est une naine. Une naine. Une naine. Oh putain. Bienvenue à Marbella, regardez-moi ça, c'est magnifique. Marbella rime avec Rantin. Exactement ce qu'on est en train de faire. C'est une blague. Mais là, voilà, montagne. Ce qui est bien, c'est que ça change du cadre de Bruxelles. Je suis ailleurs. Par contre, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as ta ceinture, Nathan? Oui. Super, c'est tout ce qu'il fallait que je sache. Point de vue assurance. Qui est pas un dodane invisible. Ah non, non, non. Marbella! J'aurais bien voulu qu'on filme à la plage, donc ce qui va se passer, la vidéo, ça va être du feeling. Peut-être que dans quelques minutes, on se retrouvera à la plage en maillot. La vie de Ronnie avant la saisie! Oh là là! Ah, mais pour le moment, on en est là quoi? Race, ESP off, qui est sur le frein. Je rêve. Oh putain! Oh! Oh! Mais remets le SP quoi! On va peut-être freiner dans le virage. Tu sais me réactiver les Z, s'il te plaît? Je réactive le SP pour ton bien-être. Mais je me permets de rester en race. Je rêve où t'as dit j'ai quand même une famille. Exactement. Je m'inquiète vraiment. Comment je me tiens quand même, je suis une attraction quoi. Ne te trompe pas de... À tout moment. Bah à tout moment. Si j'ai un peu peur. Non. T'es peut-être en train de nous refaire ton coming out. Refaire? Mais on zé quoi. Oui, tu t'es subi quoi. Oh mais je rêve quoi. Non mais évite le fossé quoi. Oh, mais qu'il n'y ait pas du sable. Mais non. Voilà, mais je pense que Mercedes nous dit qu'il est temps. Bah pour une fois que c'est pas la réserve. Cible. Oh c'est beau. Bon qu'il n'y ait pas du sable, hein, que je ne souffre pas dans la balustrade. Ah mais non quoi. Ça serait vraiment dommage. Oh. Dieu quoi. Et voilà, je n'aime pas ses limites. Le but, c'est que nous testions en fait le véhicule ensemble et que vous soyez vraiment en POV. Salut Patrick, c'est un ami, hein, il fait du vélo souvent ici. C'est vraiment beau, est-ce qu'on ferait pas un drift? Non quoi. Je rigole, c'était une blague. Oh la bonne blague quoi. Oh la bonne blague. Je me tiens là quoi. J'ai remis le SP. Regarde les routes mec, allez quoi. Magnifique. Oh. Je suis en race. Oh là là quoi. Mais il y a tout le monde qui se dépasse dans les tournants, c'est pas possible. Et il se dépasse à 30 et l'autre à 35 quoi. Donc moi je reste civilisé malgré que je suis en plaque allemande et qui dit plaque allemande, pas d'amende. Mais les gens dépassent dans les tournants, les lignes blanches, vive l'Espagne mais... Oh la route mec. Oh mon dieu quoi. Oh là là c'est beau. N'hésite vraiment pas à prendre la pédale du milieu quoi. N'hésite vraiment pas quoi. La pédale du milieu quoi. Ici on jette les 3 RS. Putain, j'ai eu un renvoi de Red Bull, fuck. On a Marbella, donc comme dirait Nathan, fuck it quoi. Ça fait quand même que 2 heures qu'on roule avec la bagnole. Moitié du plein. La moitié du plein. C'est génial. Mais c'est une super bagnole. Marbella, allez. C'est là-bas que j'ai besoin de renta quoi. Je croyais que c'était une blague, mais tu te tiens vraiment. Ah mais je me tiens vraiment hein. Non, c'est pas possible. Voilà. Oh. Voilà.
J'étais un cran quoi. Ce qui est bien, c'est qu'ici on ne dérange personne. Mais qu'il n'y ait pas du sable quoi, la rambarde, je m'y vois. Oh les routes, je m'y vois. Et je passe pas les lignes blanches, hein. Vous avez vu, je suis respectueux. Hein. C'est pas des céramiques, mais ça freine bien. Ça va Nathan? Non. Je me mets en hop. Sport plus. Je me maintiens. Tiens-toi bien. La console centrale est pas. Oui, oui. Oh mon dieu, ça commence. What? Mais c'est une blague. What? J'ai peur, au secours. Touche pas. Mais t'es fou quoi. Pas de taille. Marbella. Oh, pas mal. Oh mon mais dieu. Allez quoi. Tu es en ESP off? Oui, parce que sinon la puissance ne passe pas au sol. Ah. Oh là là. Oh là là. Dieu. C'est violent. C'est violent incroyable. Quoi. Excusez-moi, on vous dérange peut-être. Peut-être que monsieur veut taper. Coupez-moi la route quoi. Merci, vous aussi. C'est à droite. Parfait. Non, non mais pas sans ESP quoi. Oh. On entre dans un supermarché. Ma bouteille d'eau, je sors direct. Tu n'as pas pensé à ton ami? Ah, ok. On me regarde comme si j'étais étranger. J'espère que ce n'est pas pour le faciès. Parce que si je prends la bouteille, tu ne penses pas que je la mets dans mon fut, quoi. Bouteille d'eau, je suis prêt à siphonner le plan aussi vite que ma bouteille, quoi. Allons-y. Si. Oh! Sympa. C'est pas ici. Mais quoi? What? J'ai peut-être saisi madame. Excusez-moi madame, je peux pas tout faire. Gérer la puissance et le bruit. Oh mon dieu. Vous pouvez voir qu'au paysage, on n'est vraiment pas à Bruxelles. Je continue de le dire. Je renie pas là d'où je viens, mais... Pas du tout, quoi. Voilà. Devoir changer mes papiers, quoi. Monsieur, on pourrait peut-être dire... Monsieur, la trottinette, c'est sur le trottoir. Ah, oh, vous dérangez tout le monde. Un petit rapport juste pour vous. Oh. Ah mais qu'on se prenne pas un contrôle en direct non, quoi. Non. Pas un remake de Paris avec la STO quoi. Donc voilà, nous voilà à Puerto Banus. Puerto Banus. Ce qu'on va faire hein, c'est prendre nos maillots. Je vous en prie. Ouais, un voilà. Merci. Un merci. Oh. Excusez-moi, tout le monde me regarde, je sais pas pourquoi. C'est jamais les bonnes personnes qui me regardent quoi. C'est toujours la boudeuse quoi. Monsieur cherche quelque chose. Il a fait ah. Non c'était parce qu'il a coupé la voiture. Oui oui oui. Donc, visiblement on se rend pas compte. On est quand même dans une aisselle de 220 000 euros. Ah wesh. Elle est trop d'art. Ah oui mais. Et qu'est-ce qu'elle vous. Oh. Puerto Banus mec. Oh là là quoi. Et surtout. Yo. Oh. Ah. Elle est là la vidéo. Elle est là la vidéo. Attends, je te fais écouter. Marbella. Ouais. Quelqu'un qui voit les vidéos à Marbella, c'est une dinguerie. Et pas bouté hein, les gars. Oui quoi, allez quoi. Oh mon dieu quoi. Ah, c'est pas possible. Mais si on pouvait retourner chez madame tout ouais, au début. Ah. Partage comment. Ah. T'as une pièce ou autre? Ah bah je pile quoi. Ah oui. Ah mais je rêve quoi. Qu'on demande à Siri quoi. Dis Siri. Pile ou face. Wow. Oh my god quoi. Oh my god. Oh my god quoi. Nathan, je peux venir? Si t'es pas tout nu, super. Me voilà. On a changé de dégaine, le maillot, comme ça j'ai juste enlevé mon haut et mes sabates. Et... Sacré pompe, hein. Tu me juges? Non, j'adore. Nickel. Allez, allons-y. Il y a quand même une voiture à 220 000 euros en bas, quoi. Mon jeune short orange. Oh, mes jambes, ah oui, quoi. Mais attends, oh, regardez. Oh, mec, on dirait que t'es noir. Je te jure que quand. Non, mais par contre, on est torse nu, on est sérieux. Il n'y a aucune différence. Oh, regarde. Mais tu te fous de ma gueule. Bah, on est frères. Ce qu'on faisait depuis le départ. Je sais pas comment je vais le prendre, mais. Super. On va peut-être pas montrer le couloir parce qu'ils vont reconnaître là où on est, quoi.
que je n'oublie surtout pas les clés, quoi. Sinon, on va être beau. Ce qui est top, c'est qu'on part comme des kings. Les bons bruxellois. Les bruxellois en Espagne. Génial. Où est la bagnole? Il n'y a pas de service voiturier ou quoi? Gling, gling, gling. Waouh. Oh mon dieu. Allez, top. Waouh, quoi. Ma prochaine story. C'est pas vrai? Non. Ok. Bon les gars, c'est la merde, on cherche un plan jet ski. D'ailleurs, tous ceux qui sont en contact avec des agences de jet ski. Tu me colles là ou je lève? Parce qu'il y avait un trou. T'as trébuché peut-être. Voilà, tu comptes peut-être monter sur le jet ski avec ta belle petite paire. Exactement. Super, c'est de l'innovation, on ne fait pas comme les autres. À deux doigts de sauter juste comme ça quoi. Feu quitte. C'est là et tu remontes dans la SL, plein de sel. Bon les gars, on a quand même trouvé un plan, monte la gueule des jet skis. Voilà. Ah, c'est parti quoi. Il a quand même dit qu'il n'y avait pas de limite de vitesse quoi. Il n'y a pas de limite de vitesse. C'est le super sport. Si la vidéo sort, c'est qu'on a survécu. Mais en tout cas, on a trouvé le plan de jet ski. Par contre, les prix, ils sont un peu... Si prochaine fois, une agence de jet ski nous contacte. Ah oui, mais vraiment. On quoi, fera vraiment une journée dédiée à ça quoi. Je vais appeler la banque hein, sinon. En tout cas, je ne laisse surtout pas les clés de la SL ici. Ni la montre, visiblement. Ni la montre. Je prends tout avec dans la trappe. Il est zard celui-là. C'est quand même qu'on va prendre des jet skis sans limite de vitesse, quoi. Donc moi, je vais prendre le bleu. Ils comprennent pas ce que je dis, mais moi, je vais... This one, thank you, let's go, quoi. Fuck it. Alors, je vais prendre les clés de la SL et les mettre là-dedans. Parce que si je perds tout, voilà, allez. Nat, tu es bien. Honnêtement, mais qui nous jette pas à l'eau d'ici, quoi. Parce que il va pas me pousser, quoi. J'espère qu'il me pousse pas, qu'on arrête, quoi. Qu'est-ce que j'imite ? Ici, qu'à Bruxelles-Ouest. Avec leur gilet pare-balles, c'est ça ? La vie de Ronny avant la saisie ! Oh là là ! Merde alors ! Mais je sens que je vais perdre mon téléphone, moi. J'arrive pas à le tenir. Oh ! Oh ! Merde alors ! Oh là ! Ok, là, j'ai failli perdre mon téléphone. Et j'ai pas trop envie de plonger dans l'eau, donc... C'est pas que je sais pas nager, hein, mais voilà, on en est là. Attendez, je vais vous montrer l'autre zinzin, là. Il y a l'autre zinzin, là. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. La vidéo, les gars, la vidéo, elle est vraiment partie en cacahuète. Mais bon, c'est ça qu'on aime bien. Il n'y a pas de filtre chez nous. C'est vraiment trop dingue. Enjoy! Yeah! Je vais perdre mon téléphone! Bon allez, les gars, on se revoit après, mais je profite pour vous. Je profite pour tout le monde. Yeah! Voilà, on a bien renta. Ce fut fort sympathique. Nathan, t'as kiffé ou pas? Incroyable. Je vais peut-être demander à monsieur si je peux aussi me rincer comme lui. Oui. Ah oui, oui, oui. Amigo, posso. Il veut quand même me bagnarer, donc go me faire bagnarer, quoi. Bagnarer, bagnarer. Bagnarer. Je rêve. Bagnarer. Je vais quand même ma douche. Oh mon dieu. Thank you. Mais je rêve. Oh, je rêve. Merda. C'est pas possible. Gracias, amigo. Putain, ah mais je rêve quoi. Tu veux y aller? Non merci. Bon les gars, ce fut une vidéo vraiment incroyable. Commence à faire un petit peu nuit. La SL est là. J'espère que cette vidéo de folie vous aura plu. On a mis les petits plats dans les grands. Lifestyle, freestyle. Donc voilà. Il y aura encore d'autres folies d'ailleurs bientôt. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout et mettre un petit like quoi. Je demande jamais, c'est la première fois que je le fais. Exactement. Donc voilà. First time. First time in Marbella. On va manger hein, histoire de respirer un petit peu. Et passez une bonne soirée quoi. Allez, yo.